Salut tout le monde, c'est Darkmoon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur WaZ. Donc on va utiliser ce survivant, ne faites pas attention du tout à son nom. Mais je vais vous présenter ce jeu et vous montrer un des tutos, des trucs comme ça pour bien réussir dans ce jeu. Donc là on va pas utiliser celui-là, mais c'est juste pour vous montrer. Donc quand vous revive un personnage, donc, comme je viens de le faire, donc The Darkmoon, vous allez dans l'inventaire et vous avez votre inventaire global. C'est un des seuls moments où vous pourrez voir. Donc vous voyez, j'ai pas mal d'armes, pas mal de guns, hein. Comme vous pouvez le voir, des snipers, deux snipers, hein, là. Les munitions, les objets contondants, donc, par exemple, katana ninja, les habits, la bouffe, les médicales et les accessoires. Donc le médical, c'est assez grand quand même. Donc, ah oui, le marketplace, donc ça c'est les munitions. Alors il y a eu beaucoup de nouvelles munitions ajoutées au jeu, enfin ajoutées au marketplace, hein. Après donc vous voyez les armes contondantes et tout, donc tout ça, à peu près tout ce qui peut se trouver en armes contondantes, le katana, ça c'est pas unique, lui il n'est pas unique mais en tout cas il est sympa. Ça c'est comme je vous l'ai montré, donc ça c'est les night vision. Ah, ils en ont fait deux, ok d'accord. Ça c'est tout ce qui peut se mettre, le teddy bear backpack. J'aimerais bien me l'acheter. Ah, ils ont fait un nouveau. Il y a le MTV Forest et le IBAS Sand. MTV Sand. Donc là, bah voilà, tout ce qu'il y a. Bon, c'est un petit peu abusé, hein, le prix, je trouve. Hein. Donc sachant que ça c'est du prix réel et ça c'est du prix du jeu. Donc un bandage 1500, pas déconner quoi. Les barricades, ça c'est un... Alors ça, c'est un bouclier. Un bouclier qui se déploie, vous pourrez plus l'utiliser. Ça c'est les accessoires, ils sont très rares. Donc. Très très rares. Le Red Dot a été monté, il coûtait pas autant avant. Il coûtait 90 GC, là il en coûte 250. Je sais pas ce qu'il a, mais bon. Je sais pas pourquoi ils l'ont. J'avais acheté et puis je l'ai perdu car je suis mort. Donc ça c'est la communauté de chargement. Donc sachant que la communauté, quand vous cliquez dessus, ça bug tout le temps. Voilà. Donc les clans. Les leaderboards, ça arrive, coming soon, ça arrive aussi. Après il y a les options, il y a quitter aussi le jeu carrément comme apport. Donc voilà, on va utiliser le personnage qui est donc ici. Donc vous voyez, il a déjà un peu stuffé, hein, c'est normal. Et je l'ai remis à un endroit de spawn. Un endroit de spawn normal. Qui est un endroit de spawn réel. Oui, je suis à 100 mètres d'un endroit spawn réel pour pas qu'on me spawn tous sur les gueules. Et là, on va tâcher de trouver des armes, aller dans le bâtiment PVP, et après, on aura, si encore on aura des armes, on pourra tuer tout le monde. Et ça vous plaira. Ça vous plaira, je pense. Que PVP sur WaZ, c'est le truc le plus sympa. Donc je vais couper pendant le chargement. À tout à l'heure. Donc vous voyez le magnifique chargement. De WaZ qui a pas bougé depuis le début du jeu, hein. Pourrait nous faire un truc mieux que ça, mais bon, WaZ a déjà, donc c'est un, ah oui j'avais obligé de préciser, c'est un jeu de zombies MMORPG, donc c'est multijoueur. Là c'est le jour, tout à l'heure c'était la nuit, donc en fait vous allez voir, donc là ça va être le jour et après quand on sera au bâtiment de PVP ça va être la nuit. Oh l'enculé. Donc là je suis en train de semer un zombie. Parce que il est méchant. Laisse-moi. Voilà, c'est bon. Là il a senti que j'étais plus là, il allait juste là où il m'a vu la dernière fois. Et puis il reste là comme un bolos. Il faut que je fasse gaffe. Donc on va aller au market, après je vous montrerai la séquence que j'ai tournée avant, bâtiment PVP, parce que
Il y a une séquence qui a bugué dans la vidéo, c'est assez bordélique. J'avais même envie de la refaire entièrement, mais bon. J'ai déjà eu un cette chance qu'on me tue pas directement quand j'arrive dans le bâtiment PVP, donc... Donc je trouve ça sympa quand même. Donc on va passer par là tranquillement. Regardez dans la bagnole de flic. Noobi a déjà trouvé des armes dans les caisses. Pourquoi pas moi? Donc là il y a un zombie. Là c'est la position à Koubi. Et c'est la position qui fait moins de bruit et qui va plus vite. Là on est dans le market. Bandage, vous voyez, là, c'est des bandages. Pour se soigner, encore un bandage. Donc, quand on arrive près d'eux, ils se mettent en bleu pour bien qu'on les voie. Ce que je trouve pas mal. Parce que sinon, il y a des items comme ça qui bug, qui sont à moitié dans les murs. Qui sont pas si sympas à choper. Et là, il n'y a vraiment rien du tout. Oh, it's live. Donc voilà. Ouais, je lis un petit peu le chat. Donc, on va aller chez les policiers. Là, il y a un zombie magro. Voilà, là il m'a perdu. Hein. J'aurais un gun, je l'aurais tué, même une matraque, un truc comme ça. Un truc qui puisse taper. Sauf que c'est ça qui chante, c'est que quand on a rien, on a rien. Et on a beau pleurer, on a rien quand même. Il y a quelqu'un, je te découvre. On va faire les fous. Il y a un mec et c'est pas bon. Je vais me barrer. Donc je vous mettrai le lien pour les news de WarZ. J'ai eu peur, il y avait un mec. Steam. Il donne son Gmail, le mec. Hein. Ah, bon, les. Ok. Donc là, ils sont en train de se parler, faire un petit peu connaissance, on s'en fout un peu. J'espère qu'il va pas me repérer, l'enculé. Repère-moi pas. Repère-moi pas. J'ai des jumelles pour voir des choses. Les zombies, ils sont là. Et donc, on va aller au bâtiment. Bâtiment P. Et ben on va y aller maintenant. On va refaire un bâtiment PVP. On va y aller doucement pour pas se faire aggro. Et là je vais aller vite. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà tout expliqué. Mais je vais réexpliquer parce que j'aime bien réexpliquer. Donc en haut à droite, vous voyez marqué FPS et tout, donc c'est la vue, donc comment les zombies vous voient, et après il y a une petite oreille, c'est ce qu'ils entendent en fait. Après le petit bonhomme en bas à gauche, le rouge là, le bonhomme rouge, ça c'est la vie. Après il y a la soif et la faim. Vous voyez chez soif là, je vais dire c'est soif d'ailleurs, on va boire une canne au soda comme un porc mort. Bâtiment PVP, yeah. Il y a un zombie en gonfle. Bref. La vie d'un zombie. Part 1.
d'avoir un peu tout montré sur l'inventaire global et le menu du jeu, qui selon moi n'est pas forcément mal fait, mais voilà, ces textures c'est un peu dégueulasse, mais ils ont montré des images, ils ont dit qu'ils avaient amélioré les graphismes, et très franchement, je suis content. Je suis content pourquoi? Parce que ça, on en rêve. Donc là, je vais pas me déco pour trouver plein de loot et tout, comme un porc. Comme un porc mort que je suis. Je vais faire ça dans les règles de là. Et aller tout en haut. Si on trouve une arme. Une arme étant la meilleure des choses que je puisse trouver ici. Même un marteau, hein, je veux dire, un marteau, ça m'aiderait bien. Backpack. J'espère que le mec que j'ai vu tout à l'heure va pas se ramener. Parce que ça me ferait chier de le tirer. Mais bon. Vous voulez voir du PVP, je pense. Vous allez en avoir sans doute. Faut que je trouve une arme, ça serait déjà mieux pour faire du PVP. Hein. Parce que je vais pas le zigouiller à la main. Voilà, ça me fait un deuxième chargeur de SMG. Pas mal, c'est pas mal. Très franchement, à part le Uzi, je peux pas recharger grand chose avec cette merde, mais bon. J'en ai un Uzi. Mais ça me ferait chier de le sortir car je les collectionne moi les armes dans War Z. Quand il y a la musique, c'est chiant parce qu'on entend vraiment rien. Vous voyez, c'est une belle journée dans Warzone. J'aimerais vous montrer plus de choses. Mais voilà. Je pense que je vous ferai des vidéos. Plein de vidéos quand je serai avec Noobi. Et je pense que ça... Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce jeu à la con. Il est pas mal. Moi, j'aime bien, sans déconner. Il y aura, des compétences à débloquer. Un arbre de compétences. Et ça, il y aura des comptes. Vous voyez, ça c'est une barricade que quelqu'un a posée. Je sais pas bien pourquoi il a foutu ça là quelque part. Hein. Je pense qu'il s'est amusé. Et je sais pas pourquoi il a mis ça. Peut-être pour montrer. Peut-être qu'il se faisait une vidéo aussi. Peut-être qu'il voulait montrer un petit peu comment ça se met quand on la pose. Dans l'aventure, ça ressemble un peu à rien, mais bon. Là, rien du tout. Rien du tout. Putain, mais c'est pas possible. Le bâtiment PVP n'est plus ce qu'il était. Je sais pas, mais y a plus rien du tout. C'est n'importe quoi, les mecs. Je voulais vous faire un petit tuto comme ça pour montrer là où il y avait le plus d'armes, c'est ici normalement. Et ben tant pis. Il y a un casque. Bah ben, allons avec un casque. Les vieux appartements. C'est quand même un peu pauvre hein, l'intérieur, mais ils ont dit qu'ils allaient améliorer ça. Y a pas d'armes, y a pas d'armes, je peux pas me faire chier. En fait, je voulais pas déco, mais je vais déco parce que faut bien que je trouve une arme, faut pas déconner quand même. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas. Bon bah, tout à l'heure... À tout à l'heure pour la suite. Oh, donc tout le monde y a eu des bugs et tout. N'en prenez pas compte. Hop, on ramasse ça. Et on va se barrer de ce bâtiment là malheur.
mal débuté dans War 7. Non, non mais c'est ça en plus, hein. Je rigole, mais... J'ai jamais aussi mal commencé une partie que qu'aujourd'hui. J'ai pas aujourd'hui, j'ai pas de chance. Merde. Fallait que ce soit sur moi, zombie de merde. Allez, je t'esme. Font chier. Je les ai semés. Comment trouver les armes là? Donc vous voyez que... Vous savez quoi? J'en ai marre. Ça marche pas. On va courir. Marathon. Salut zombie. Non mais là, vraiment, je voulais vous montrer un truc sympa et tout. Je vous ferai des vidéos PVP. Vous inquiétez pas, là c'était plus un truc pour comment bien débuter et tout, sympathique, for nothing. Voilà, je voulais que ça marche bien, mais ça marche pas bien, je passe. Pas de chance. Il y a des jours comme ça. Pourtant, je pense que... Pas plus, hein. J'aurais pu mais j'ai pas. Des jumelles. Comme si j'en avais pas déjà. C'est chiant. Pour vous dire, je suis un peu dégoûté. Je pense que je vais pas mettre cette vidéo. Ouais, et puis. Ouais, les zombies, tu veux toucher le chien. Ah, les sports renais. Qu'est-ce que je peux balancer? Écoute, on va faire... Ah, l'enculé. Tiens. Salaud. Tiens, donne-moi du fric. Donc voilà, quand on tue des zombies, des fois on a du fric. J'ai mis longtemps avant de trouver ce foutu marteau. Mais ça fait du bien, nom de Dieu. Ça fait du bien. Donc, voilà comment on trouve des armes, même si j'ai pas trouvé tout ce qu'il fallait bien et tout. Au Kruger. C'est tir au Kruger. Regardez, il y a un lâche pack sur la bagnole. Il y a un large backpack. Attends, moi, je pense que ça me donne envie de rester. C'est juste parce qu'il y a un large backpack qui me dit prends-moi, comme ça il me dit.
là c'est moyennement intelligent de se foutre. Donc vous voyez que l'XP qu'on gagne, ça va nous servir pour le pour attribuer des points de compétence. Sauf que là j'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes à feu. Et c'est un peu la merde. Quand on n'a pas d'armes à feu, c'est un peu la merde. Pas mal de chargeurs en plus. Pac, pac. Drop et drop. Voilà, fuck. Putain, mais il y a vraiment rien. C'est la dèche. J'ai entendu tirer, hein. Sauf que bah ça tire plus. Donnez-moi des putains d'armes. Moi des armes dans une queue. Des armes. Donnez-moi des armes. Je sais pas comment les gens font des fois pour trouver plein d'armes, mais moi j'ai pas mal de chance. J'ai de la chance, mais encore faut-il faut en avoir beaucoup. Hein. Je vous ferai une vidéo PVP, vous inquiétez pas pour ça. Là c'est un petit peu exploration. Je pense que je ferai deux vidéos sans doute. Une où je vous explique bien le commencement, les débuts de War Z et tout, et après ça sera de la balade, hein. Continue sur le même personnage, hein, tant qu'on y est. À bouffer. Que dalle. Drink moi ça, cochon. Je vais prendre des petits trucs, genre les ostotomies. Deuxième marteau. Non mais vous foutez de ma gueule. Des fois il y a des trucs qu'on peut pas trouver et là on trouve ça direct. Deux marteaux, allez. Non mais te dérange pas ma petite. Viens là. Il aide les zombies. Tu sais. Donc là je ramasse le sou. Les sous c'est pour l'argent virtuel tout connement. C'est... Tout à l'heure j'ai entendu tirer, mais là j'entends plus tirer du tout. Peut-être bien il s'est fait descendre. On va retourner au poste de police. Poste de police. En général je prends pas vraiment tout. Mais je prends ce que je peux prendre et je laisse ce que je peux laisser. Les crânes là-bas, je prends. Pack chips, je prends. Je sais pas d'où ça tient, mais j'ai pas envie. Ça tire à la police. Ah, il est là-bas, vous voyez, dans la maison. Dans le poste de police, là-bas. Il est là-bas. J'espère.
Escape. Là, faut se soigner. Bouffe. On va dire que là je me casse. Là j'aurais une arme, j'aurais descendu mais à mort. Combien des balles là? Tiens, viens. Plus 10 balles, bonne fucker. Ma capacité à soigner est beaucoup trop grande pour moi. Bouffe, bouffe tes painkillers. Je suis en train de courir à travers la ville pour pas me faire. Ah. Bah voilà, je me suis fait sans doute tuer à la 12. Hein. Ouais, je pense que oui, c'est ça, je pense. Ah merde. C'était beau. J'ai couru à travers toute la ville pour trouver une arme. J'ai pas trouvé vraiment, comme vous pouvez le voir, dans Warzone on peut très bien trouver des armes très facilement. Voilà, il va se faire bouffer par les zombies, j'espère. Non. Bon bah tant pis. Il y a encore l'autre qui est là-bas, mais ah c'était pas mal. C'était pas mal. Vous vouliez du PVP sans doute, bah vous en avez eu. C'est une vidéo quand même longue, hein, je trouve. Hein. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à ajouter à vos favoris, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, le serveur vient de m'éjecter parce que ça fait déjà une minute que je suis dessus. Donc voilà. Voilà, je suis mort. Je pourrais revivre avec lui. Je pense que je vais trouver une arme et je vais faire un massacre parce que j'ai envie. Bon bah salut, c'était Dark Moon et à plus tard pour de nouvelles aventures épiques sur Warzone et autres. Allez salut.